Why did I move here? I guess it was the weather. Allez, c'est parti pour 1 minute 24 de plaisir, de bonheur. Hein, les... D'ailleurs, exceptionnellement attendu et exceptionnel, c'est vrai. Bonjour tout le monde, c'est les Chidaman. Salut à tous. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse tarie sur le trailer du siècle et de la génération Next Gen PS3 et 360. Effectivement, ça y est, c'est devenu le plus grand jeu de tous les temps. Ça y est. De Grand Theft Auto 5, hein, comme vous voulez. Et on a pris plusieurs dizaines de screenshots pour faire une analyse tarie. Et parce que si on met le trailer, on est banni. Donc, on est banni direct. On gagne pas l'argent, donc... Premier trailer, premier shot, premier plan, boum, Vice City, c'est parti quoi. Alors là déjà, on comprend pourquoi il y a écrit Seagull, parce qu'on voit une mouette en haut voler et tout, donc on avait dit que c'était un paysage côtier, donc non, Seattle, c'est moche. Clac, une baraque, baraque comme on avait vu sur Miami, genre GTA Vice City, on s'est dit, on a fait pause, on a écrit Vice City. Ah, les mecs là, ils ont un bruit, ils sont cons, ils savent que c'est pas Vice City. On a couru partout dans la pièce et tout, on a fait la... tout ça là, le on a lu, et attention, premier indice qui nous a spotted sur la gueule, c'est il y a un chien. Regardez, il y a un chien. Explosif. Première fois dans Grand Theft Auto qu'il y a un chien. Des animaux quoi. C'est clair, nos animaux il y en avait déjà. Oui, non, des animaux domestiques là. Des animaux terrestres, hein, parce que c'est que il y avait des tortues, mais tu as tiré dessus et disparaissait donc. Donc, oh my god, Vice City, voilà. Vice City, Vice City. On se dit putain, c'est génial. On n'arrive pas encore à cerner ni la ville, la côte ou voilà, mais on sait. On entend le mec qui parle. On se dit, c'est un black, accent latino, c'est un portoricain, c'est un hispanique. Plutôt un hispanique. On sait pas. Allez, prochaine image, clac, on reprend tout de suite, c'est Los Angeles, c'est pas du tout Vice City, pourquoi? Parce que pourtant il y a deux, il y a à des... Miami, il n'y a pas de montagne comme ça. À Miami, il n'y a pas de montagne. Voilà. Et deux, la plage, la cour, genre la balade de Ocean Drive n'est pas du tout comme ça. Et à Miami, il n'y a qu'une plage qui est occupée, et elle n'est pas comme ça du tout. Reste à savoir si c'est Venice ou Santa Monica. On peut lire sur son t-shirt au mec... CTM et surtout Jim, effectivement. Donc des joggers, peut-être des joggers, peut-être de la muscu, peut-être de la du sport, pour peut-être le retour. On ne sait pas. Plusieurs trucs. Donc c'est Santa Monica, c'est le parc d'attractions à Los Angeles. Hein, ouais. Donc Santa Monica, c'est au sud-sud-ouest, hein, la plage. On y est là, c'est la plage sud. Ça aurait pu aussi être Venice, par rapport à toute l'est de Los Angeles. Bon, on ne sait pas. Je pense que c'est plutôt Santa Monica, effectivement. Allez, image suivante est là. Voilà. Rockstar Games presents Los Angeles. Los Santos, San Andreas, on sait pas le nom encore que Los Santos, c'est la ville et Los Andreas, c'est le quartier, le comté. Et on voit au fond un petit hélicoptère, donc il y aura toujours nos amis les véhicules aériens. On voit des grandes avenues longilignes, tout ça. On voit les palmiers qui sont super bien faits quand même. Les feuilles, le moteur graphique, attention, carton rouge. Faut pas dire oh lol, c'est moche. Non. Souvenez-vous des premiers trailers de Elle est noire. Moi je me rappelle d'avoir dit c'est moche, on avait dit c'était moche. Hein. Et le jeu sort dans un an, parce que nous on a la date nous. Donc Los Angeles, c'est officiel, le downtown de Los Angeles. Avec les quelques buildings. Six caractéristiques comme ça, avec ses quelques dizaines de buildings, on et est sûr. Et c'est pas le mytho, et c'est montagne, c'est sûr à 100% que c'est Los Angeles. On voit les véhicules, hein, le truc classique, hein, un peu des Huntley, des Break, des voitures nord. Oui, mais on va les revoir après. Des berlines. Et là, boum, prochain. Central Park. Le retour du golf. En plein cœur de Los Angeles, en tout cas, par rapport au centre, ce serait un peu plus excentré. C'est peut-être même au sud, parce que là, la tour me fait penser à une tour qui avait dans Los Santos, dans l'ESA et tout, voilà quoi. Les caddies de golf, hein, toujours, on pourra les conduire et on pourra driver hors le club. C'est sûrement une cinématique lors d'une mission, mais je pense qu'on sera peut-être amené à faire du golf. Tu vois, on ne sait pas encore qui c'est qu'on incarne. On l'entend parler, mais on ne l'a pas encore vu. Hein. Nous, on l'a repéré, mais c'est qu'une supposition, parce que c'est une analyse tarie. Hein. Et en haut à droite, un dirigeable. Peut-être, la vidéo. Peut-être qu'on pourra le conduire, le piloter. C'est fini comme celui de Nimbo en 33 en Allemagne qui pète en l'air. En tout cas, un mec qui est assis sur le banc. Qui lit de la vie. CTM. Donc, image suivante. Oh my god, c'est Puff Daddy. Oh my god, c'est Puff Daddy. Ouais, c'est clair. C'est avec son magnifique jetpack pédophile. Hein, c'est marqué pédophile. Non, c'est pas pédophile. C'est le modèle 2000 pour marquer 2000 gamins dessus. Il a un gilet de sauvetage et il a des Ray-Ban en or, monture en donc or. On pourra personnaliser son mec, il craque trop. T'sais. Et quand j'ai vu cette image, j'ai presque cru à un retour à GTA 4. Parce que l'ambiance, vraiment, GTA 4, là, tout y est, le pont et tout, le coucher de soleil. Voilà, donc tu dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc le mec porte un short et un gilet de sauvetage. Ouais. Donc, nager ou pas? Est-ce qu'on pourrait déjà dans les comptes qu'ils font fake? Non, mais on pourra sûrement faire. On pourra changer l'activité. De tenue, faire l'activité, le jet ski, changer de tenue, attention. Peut-être la garder.
Oui, comme le casque de la moto. Mais attention, ceci n'est qu'un civil, c'est un PNJ ce mec, sûrement. En tout cas, des lunettes de soleil. Bon, en tout cas, ce n'est pas lui, hein, parce non, que la voix qu'on entend n'est pas la voix d'un. Ou alors c'est un castrat, lui. D'un puff daddy like. Mais voilà, attention. Et la plus belle image du. La plus belle, c'est le mont Chiliad est de retour. Oh, hein, on imagine que c'est la montagne, vu les sommets. Qu'on atteint c'est là, pas une colline. C'est pas une collinette, c'est pas une petite montagnette. Hein, c'est la colline, la montagne du Pic de Dante, là on le voit, c'est trop beau, magnifique. On voit une végétation complètement particulière, ouais. On voit les pins, les cyprès, oui, les arbres typiques aux forêts nord-américaines, où il y a très peu de feuilles, vous savez très bien, c'est comme ça que ça se... Oui. Attends. Là on voit aussi que la montagne est bien mieux faite que dans SA, bon c'est normal, tu me diras, mais tu sais c'était juste, dans SA c'était juste un cône en fait, ça montait quoi. Ouais. Là regardez, il y a des trucs partout, c'est escarpé partout, c'est inégal, c'est peut-être très, avec un très, vélo, très joli, peut-être ouais. On pourra aller rocker style, ouais, style ou... C'est très très joli, on voit qu'ils ont les tenues adéquates, mec, au milieu, peut-être on pourra faire du coup des activités. Des courses, après, des courses jusqu'au sommet peut-être. Des courses qui nous rappellent un peu à GTA San Andreas, vous vous rappelez, il y avait des courses à pied, ouais. Et on allait roxer au Mont Chiliad. En tout cas c'est forcément une montagne, c'est sûrement le Mont Chiliad 2 et c'est y a c'était rien à l'ouest de particulier ouais. Sur le paysage au niveau du ciel et tout. Non, y a mais pas c'est de... très joli les petites fleurs et tout, l'ouest de Los Santos sûrement, enfin on verra bien sur la map, là ce ne sont que des suppositions, mais ils ont la tenue, ils portent une montre ouais, c'est ce que j'ai regardé aussi. Touche qualité. Casio. Image suivante, oh my god. Plein de choses. Voiture. Tuné, le retour des voitures tunées. Vous dire non, c'est pas des voitures tunées. T'as raison. Il y en avait dans Gay Tony aussi. Il y en avait dans Gay Tony, ouais. Et comme ça, donc non, elles sont, si, pas, elles sont pas tunées. Oui, voilà. Mais décapotable. Ah. La séquence dure 3-4 secondes et la capote se rentre. Range, hein. Et on voit un clé derrière, un clé sport, hein, classique. Un quartier un peu dévasté à droite, regardez, il y a des cartons, il y a des travaux, un peu abandonné, avec des piliers, avec des publicités décollées. Des posters déchirés, bon oui, on sait, vous voyez, vous aussi que nous, hein, mais bon. Une meuf qui nous regarde. Attention, des panneaux piercing. Est-ce que c'est nous ou pas maintenant? Est-ce que c'est enfin nous? Après l'avoir vu 15 fois le trailer, oui, je dis que c'est moi. A priori, nous, on dit que c'est nous. Voilà, et il y avait derrière elle, il y avait marqué piercing, donc peut-être qu'on pourra aussi encore une fois se personnaliser là-dessus, mais ça semble vraiment être nous. Bon, au premier abord, tu sais pas, on voit plein de monde, mais bon, apparemment, là, ça serait lui. Je suppose elle a Lady que Rockstar a copié sur nous pour les arcades, regardez, c'est les arcades de Minecraft, hein, oui. Je vais faire un procès, tenter un procès. Donc, a priori, nous, on suppose pour l'instant... Que c'est lui qu'on incarne. On voit là que la voiture est tunée avec les jupes latérales et les bas de caisse. Et que c'est une nouvelle voiture que moi je ne vois pas à quoi elle pourrait ressembler en tout cas. En tout cas elle a des tatouages elle, peut-être qu'on pourra s'en faire. C'est un skin. Oui mais peut-être, hein, peut-être qu'on peut s'en faire aussi. Allez, peut-être, image je suivante. Ne sais pas. Je ne sais pas peut-être. Je ne sais pas Tari, mais c'est pas notre cas, nous on fait pas de je sais pas Tari. On suppose nous. Là, prochain panorama donc suivant. Là, on sait qu'on est en 2010. Hein. On est dans une époque contemporaine, on est vraiment là dans les années après 2000, 2010, 2008. Au moins après 2008, vous allez vous expliquer dans quelques images les montagnes et un panorama avec des éoliennes. Peut-être qu'on fera des missions en parallèle avec cet environnement. Ça sera peut-être sûrement pas, au nord de Los Santos, je pense. On voit que c'est une compagnie électrique hein, qui détient cette propriété en bas. En on bas, voit une centrale de relais, tu sais, vous savez. Effectivement, on voit plein de montagnes au fond. Et on voit une grande table en bas là qui roule sur la terre avec la fumée comme ça, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas encore de fumée comme ça dans GTA. Non, c'est que ça c'est très bien, mais c'est sûrement Red Dead est un peu passé par là, tu sais, quand tu passes. Et encore un environnement montagneux, mais différent. Montagnard. Et là, c'est différent. C'est Gilbert Montagny qui en moi sort de ce corps, s'il te plaît. Image suivante. Clac. On est là sur les hauteurs de Beverly Hills. On est en direct live sur les collines juste à côté de Vinewood. On dirait une maison des Sims tellement qu'il y a tout. Il y a c'est les maisons qui étaient dans GTA SA. Vous rappelez la maison avec quand ils se foutent de la gueule de Driver 3. Ouais. Et on incarne. TG, on est mission d'infiltration. Oui, c'est dans cette maison là. Vous savez avec Nat Dogg, je crois. Ouais. Donc là, on voit sur un ordinateur portable par terre, une des platines. Des platines de mixage. Sûrement qu'on pourrait peut-être danser des activités comme dans Gay Tony. Ça sent. Et encore un indice de plus pour la muscu. Ouais, avec des vélos, même vélo d'appartement, des tapis de et des gens qui font de l'exercice, donc sûrement faire de l'exercice pour perdre du poids et en gagner peut-être. Et un télescope, peut-être qu'on pourra s'en servir si on paye 1 euro. Donc on a des maisons très luxueuses, c'est le quartier riche de Beverly Hills, très détaillé. On peut voir un petit peu quand même les feuilles qui sont plates en 2D, mais regardez, on voit les textures là, mais c'est un trailer. Pour l'instant, on peut pas trop apporter. On voit de l'eau en fond qui brille, hein. Il y a un reflet, c'est de l'eau non en bas, non? Pas sûr. Moi, je pense qu'est-ce qui brillerait? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est les feuillages d'un arbre. C'est les aliens. Allez, image suivante. Clac, on est sur. On aurait dit une image en vrai, tu sais. Ah, c'est clair. Ça, c'est, voilà quoi. Et non, on est dans le moteur de GTA 5, GTA 5. C'est Los Puertas Freeway. Donc, on est sur la rocade, hein, le périph de Los Angeles. Ouais. Et on voit que
là à droite, vers le nord. C'est le nord, et juste à côté de Little Seoul, c'est écrit South. On retourne au downtown. Ouais. Au downtown. Donc, Las Puertas, est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est un quartier de Los Angeles? Je pense que c'est le nom de l'autoroute en fait. Comme Julius Freeway dans Las Vegas, Las Venturas de GTSA, les autoroutes avaient des noms. Et là, c'est la numéro 5, elle a un nom, c'est Las Puertas. En tout cas, il y a Little Seoul, donc il y aura sûrement une communauté nord-coréenne. Si, big up. On reprend dans Pyongyang. Little Pyongyang, c'est trop moche à mettre. Donc, il y aura des Asiates impliqués dans le jeu et je pense qu'ils feront partie du scénario. C'est obligé, si avec un nom comme ça, il n'y a pas de job. De Chinois, de Coréens, bah, ça ne va pas. Allez, image suivante. On est chaud bouillant. Et là, c'est sûr, nous on est sûr, on met notre main de titane à la poupée. Il y a le retour de la muscu, de la personnalisation du personnage. Ça fait trop de fois qu'il y a encore. Ça fait trop de fois qu'on voit d'indices de jogger, de mec qui le vélo d'appartement. D'appartement. Là, on est à Venice. Non, Santa Monica toujours. Hein. Et c'est, c'est copié-collé. Du stand de muscu de GTA San Andreas dans Los Santos. Vous y allez, c'est la même chose. Les bancs là, le bâtiment au milieu, la vue, tout. Il y a tout est pareil, c'est en beaucoup plus beau et plus fourni. C'est la même chose. Regardez au fond. Alors, est-ce qu'on pourrait aller faire le muscu ici directement ou est-ce qu'on ira dans des salles de muscu comme dans GTA SA? On pouvait y aller dans cela. On pouvait y aller. Et là, on voit le nom de la ville, hein, par exemple, Los Santos. Los Santos. Donc, c'est confirmé. On est à Los Angeles, on est à Los Santos. La ville s'appellera bien Los Santos. On y reviendra à Los Santos. Est-ce qu'on aura un d'autres link villes. Avec GTA SA? Je ne on sait pas. Je ne pense pas. Connaissant Rockstar, il n'y avait pas de link entre le 3 et le 4. Tu sais, je veux dire, on est. Mais entre Vice City et SA, il y avait des liens. Oui, mais je veux dire entre GTA 3 et GTA 4, tant qu'ils passent tous les deux à Vice City. On voit que bon, il y a des autocollants sur le banc. Il y a l'environnement, le très décor fourni. Est très fourni. On voit une poubelle qui est pleine, donc plusieurs skins de poubelle. Peut-être on pourra les boueurs, c'est mecs qui s'emballent trop. Peut-être on pourra me finir les pizzas des gens qui n'ont pas peut-être qu'on pourra même élaguer les arbres. Ouais, j'espère bien. On voit les douches ici, là, des plages. On voit quand même un panorama assez somptueux quand même. Effectivement, hein. Muscle Sands, donc c'est sur la plage. Pumble, et Los Santos. Plenty of. Magazine, c'est en dessous. Ah, ouais, j'arrive pas à lire. Plenty of. Allez, c'est parti, image suivante. Oula, retour du Big Graver. Tu veux du Tosma? J'ai envie de dire que tu veux du Tosma. Le mec, c'est un Tosmateur. C'est un mec qui vend du Tosma, qui vend de la drogue. La séquence juste un petit peu avant, quelques frames, quelques images avant. On voit qu'il a les mains croisées et qu'il fait un signe avec les. Avec ses jeux. Il regarde. Un espèce de Kid Cudi, hein. Ouais, tout le jacquard et tout. Et lui, il lui fait juste non, j'en veux pas. No, et il a compris. On est dans le cœur de Los Angeles, un peu en crise. On voit vraiment que. Ah oui. La thématique principale de GTA V. La thématique de 2008, de la crise de 2008, hein, est vraiment présente dans GTA V. Comme quoi, juste après sortie de GTA 4, ils ont réagi. Rockstar a réagi et a dit cette année, le prochain GTA, ce sera sur la crise. Et on le voit. Toutes les images sont déchirées. Les rues sont bâtiments de trucs, ouais. Les bâtiments, il y a des cartons devant. Ouais. Et surtout, regardez, moins 70%, tout est des réductions partout. C'est la crise et ça bicrave sec dès qu'il y a la crise, tu vois. Voilà. Les poubelles sont pleines. Allez, image suivante. Des éboueurs, sûrement. On voit que il y a peut-être une crise de l'immobilier aussi parce qu'il y a des chantiers en suspens par rapport à la crise. En tout cas, il y a des projets de chantiers immobiliers. Tour, hein. Comme dans GTA, dans tous les GTA, il y en a toujours eu des. Ça, c'est un complexe dans le downtown, les New West Complex du mec. Le Mile High Club, donc ce sera sûrement un magnifique club. On voit que la tour, là c'est la tour la plus haute de San Andreas que vous voyez, enfin de Los Santos, hein, avec son toit en étoile et l'héliport, on pouvait sauter. On voit des échelles hein, sur les grues, on pourra toujours monter. Hein, et je pense que la jaune aussi, on pourra y monter et faire des méga sauts. Sans parachute. Donc voilà, on voit que ça construit. Peut-être la ville évoluera au fil du jeu. Hein. Bon, connaissant le scénario, peut-être qu'il y aura des séquences. Un truc, allez, image suivante. Hop, un gros plan sur voilà, ce downtown en construction. Naissant, hein. On était là au bâtiment qui était en construction là. Ouais. Est-ce qu'il va continuer à être construit ou le chantier va s'arrêter? On retrouve la tour, hein, comme je dis, la tour ronde au milieu, la plus haute. Et là, on voit un autre personnage. Avec ce plan là, on s'inquiète. On dit finalement, c'est lui qu'on incarne ou pas? Et à un moment, on a vu que c'était lui. Et on a vu que c'était lui. Mais le problème, c'est que la voix ne colle pas. Ouais. À moins qu'on se trompe vraiment. Mais nous, on pense vraiment que c'est le portoricain. C'est celui qu'on voit le plus. C'est l'hispanique. C'est celui qu'on voit le plus. C'est pas lui. En tout cas. On voit lui, peut-être que c'est un méchant alors, peut-être que c'est une personne un importante. Un entrepreneur immobilier. Je ne pense pas que Rockstar va s'amuser à mettre un plan comme ça avec une seule personne qui n'a pas d'importance dans le jeu. Ce serait bizarre. Oui, mais après peut-être que sa tête n'est pas définitive. C'est peut-être qu'il reprend quelque chose, genre les intérêts du nouveau monde, genre des mecs qui font les entrepreneurs immobiliers parce qu'on a vu d'autres jokers et c'est pas forcément les mecs aussi. Oui. Mais peut-être, c'est. Voilà, on sait pas. En tout cas, il a le regard méchant quand même. Ouais. Et puis, un peu de Niro style-like un peu avec son genre de des montagnes au fond. C'est sûrement le méchant, vient vous spoiler la gueule. Allez, image suivante. Oh my god. Oh my god. Deuxième meilleure image du jeu, c'est de la campagne. La séquence, un petit peu reculée hein, du quartier, du centre hein, de downtown de Los Santos, de Los Angeles.
On est avec nos amis les immigrés mexicains, hispaniques. Qui n'ont pas de papier. Qui n'ont pas de papier. Et regardez, ils ont des foulards sur des casquettes. Ils ont des chapeaux de Pepito, de Gringo. Et on voit le retour du dodo qui va. C'est pas vraiment le dodo parce que c'était le truc en engrais, je sais plus. Ouais, c'est vrai, pour faire les. C'était juste une hélice. Vous vous rappelez pour faire les loopings et tout, ouais. C'est un espèce d'avion de spectacle un peu. Ouais, exactement. Et on voit que t'appuies, mettez des fumigènes, sauf que là ce ne sont pas des fumigènes, ce sont des produits toxiques pour nos amis. Et on le voit juste après, voilà, les particules, les feuilles. Et donc là on voit des magnifiques paniers en osier. On voit des grappes de raisin. Et donc là, avant que tu passes. Ouais, les champs. Là on peut se demander sur combien de. Quelle place aura finalement la campagne. Ouais, parce qu'on a vu de la montagne. Parce que c'est sûr que là, il y aura la campagne. C'est sûr, on a vu les éoliennes. Là, ok, sur les collines, mais il y a des vallées derrière les collines. Je veux les moissonneuses batteuses en HD et je veux mixer du riche ou du jogger sur la plage. Mais quand on voit ça plus les montagnes, on se dit quand même qu'il y aura une grande partie de la campagne. Hein. Cool, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est intéressant de voir cette séquence là qui peut paraître anodine ou en lien avec le trailer. Et clac, en fait, ça annonce qu'il y aura une richesse. À chaque fois, il y a un contenu. Hein. Ils sont pas cons les mecs de Rockstar, ils ont fait un trailer de malade. Le centre de Santos. Allez, voilà. Image suivante. Clac. Hack séquence. Le camion, il y avait écrit un dératiseur. Hein, c'était. Oui, un bug, c'est pour les insectes, donc ce genre ils vont oui, tomber. Non, pas, oui, c'est pas un dératiseur, c'est pour les termites, les bugs. Hein, ouais. Exactement. Et on voit en fait que c'est un gros fake. Hein, les mecs sont là pour un braquage. Regardez l'arme. Le mec à droite a un AEK-91, il me semble. Hein, avec un silencieux. Suppresseur, hein, silencieux. Ouais. Casquette, tenue. Bon, ça c'est une mission. Alors, est-ce qu'on incarne le mec à droite? Qui ressemble peut-être à la séquence de tout à l'heure. On ne sait pas finalement. Lui ressemblerait à l'autre. Il ressemblerait à l'autre. Là, on voit une rue pavée, donc c'est un quartier vraiment à côté de Didier Satch, un peu, tu sais, le riche. Ouais, les quartiers riches. On le voit, les pierres de taille. Limite à la française, les petits jardins à la française, les lampadaires, les poubelles, vraiment, vous savez, on les voit à droite à gauche en acier, genre en fer forgé. C'est le luxe là, ici donc, c'est quartier. Il y a des pavés, hein, c'est oui, donc, comme on l'a dit, ouais. Ça montre qu'il y a plusieurs quartiers différents avec leur identité. Et hein. C'est bien parce qu'en fait, chaque image contrastait en fait entre richesse et inégalité. Ils ont fait un trailer magnifique. Là, on voit la plaque d'immatriculation, on n'arrive pas à lire, mais c'est pas là qu'il y a écrit San Andreas, ce sera plus tard. Ici, il y a écrit San Andreas. On le verra tout à l'heure sur notre plaque. Ils ont une manière bizarre d'enlever les termites, effectivement. Regardez ici là, donc on va s'apprêter à faire un braquage. Et le V là. Versace, peut-être les magasins de luxe, Five, hein. Ouais. Mais ça peut être par rapport au Five. Et on voit qu'on a les mêmes sacs que Nico Bellic. Hein, on voit qu'il y a de la climatisation dans le bâtiment. Et qu'il y a une caméra aussi à droite. Payday, ouais, donc il va falloir faire attention aussi, hein, peut-être sur ces missions fake. De braquage. Ce sera une mission scriptée, mais peut-être qu'il y aura un mode cambriolage. Comme en tout cas, ça a l'air d'être une vie. Dans GTS. C'est une bijouterie hein, qu'on braque oui, là. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on braque? Est-ce que c'est nous? On sait pas. Peut-être qu'on y participe, on ne sait pas. On a toujours pas vu de force de l'ordre, mais que se passe-t-il? J'ai envie de dire bientôt. Et hop. Allez, image suivante. Et là, on revoit pour une troisième fois ce mec là. Donc, c'est inquiétant parce que ce mec là. Ouais. On aurait dû compter en fait. Hein. Que c'est le mec d'avant et le mec sur la terrasse. Donc, on le voit trois fois. C'est le mec du braquage finalement. Donc là, on est où? On est toujours à Los Santos. On est sur le quartier un petit peu. Je pense pas trop riche, moi. Plutôt hôtel. Touristique, hein, mais ouais. Oui, toujours les montagnes en fond qui vont nous cerner. J'espère qu'on pourra les franchir pour aller. Et à gauche, c'est du copier-coller à GTA 4, c'est-à-dire le transfo là, ouais. le générateur et les trucs d'échafaudage par rapport aux travaux. On voit qu'il y a des voitures garées là à droite, il y a pas mal de trafic. Hein. On voit une nouvelle voiture, enfin la bleue, ben, c'est toujours la même, mais je vois pas trop ce que ça peut être encore. Elle est sportive de base, elle est pas tunée, je pense, elle est vraiment sportive. Donc ça serait peut-être pas tuning alors? On n'est pas sûr, hein. On fait que supposer. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est que comme tu l'as dit, trois fois qu'on voit déjà ce mec, attention. À l'image suivante, hop! Des gros camions, des docks. Le camion il circule, il nous révèle un panorama, les docks, un autre environnement. Nico Bellic arrive, on voit des échelles, donc des escaliers, on pourra toujours monter tout en haut. C'est la mission finale, les gars. On voit le paquet caché en haut. C'est la mission finale, je viens de les spoiler, on tue le black là. Donc il y aura des docks, oui. Donc, chose qu'il n'y avait pas dans GTA ça. Il y en avait, parce que tu sais, le petit truc de l'armée en bas où c'est qu'on chargeait avec Ryder, là, tu sais, les trucs là, les caisses. Ah oui, ouais. Mais c'était pas offre. Ouais, c'était pas comme ça. Mais oui, il y avait déjà des docks, parce que la ville était déjà entourée, de toute façon. Peut-être que les camions pourraient les conduire aussi. C'est gros, parce que qu'on pouvait pas conduire ces parce qu'on rappelle dans GTA ça on pouvait il y avait des missions avec les 33 tonnes oui mais ils étaient garés souvent tu sais garés et incassables tu sais tu peux prendre que les petites les mules ou les trucs comme ça quoi. En tout cas un autre environnement les très docks. Très varié franchement richesse totale de l'environnement là. Allez c'est parti on la ville est très grande, magnifique. Là, le choc. On voit vraiment que c'est la crise. Ah ouais. On voit les travailleurs immigrés sur la grande table, ouais. Qui sont ils viennent assis de se faire virer derrière, donc ils vont peut-être embaucher aussi, hein, on sait pas. C'est des feignasses.
On voit les ponts du périph', c'est les ponts du périph' de Los Angeles. Hein, on voit une tour de riche aussi avec des en verre, en vitre. C'est la tour de Los Angeles. Et donc ça veut dire que, comme tu l'as dit, dans le pick-up ils sont 4 ou 5. Dans le gameplay, on croiserait des gens qui seraient plusieurs dans une voiture. Bon, il y avait déjà, mais à l'arrière quoi. Si elle est autour des gangs, si elle est autour avec nos potes, on pourra sûrement squatter l'arrière et foutre le bordel et peut-être même tirer depuis l'arrière, on ne sait pas. Je pense pas que ce sera des gangs parce que c'est en 2008. Donc, on voit des sans-abri, on voit des mecs à la rue. Ils ont perdu leur travail, leur maison. Ils ont perdu leur travail, donc c'est toujours dans ce contexte de crise. Et là, notez les lettres O-T-N pour l'instant. Voilà, NTO, ça va sens. NTO et l'image d'après. Voilà. Los Santos. Donc c'est sûr, c'est clair, on est à Los Santos, voilà. On est à Los Angeles. Gros clin d'œil à et Kanye West. Kanye West, cette fois, c'est plus que dit, c'est Kanye West. Donc à mon avis, c'est sûr, on pourra pécho des lunettes. Ouais, je pense que c'est évident là, c'est là, ils nous le mettent. La voiture à droite, à gauche. Ça ressemble, Porsche, ça ressemble un peu à une Porsche là, la blanche, une Carrera là. Et on voit les Mexicains derrière avec leur même truc, sorte de Patriot Grand Table pick-up, hein, voilà. Donc sous un pont, dans le feu ne fonctionne pas là. Non, sûrement normal, j'ai envie de dire, comme d'habitude. En tout cas, on voit quand même qu'il y aura beaucoup de contraste hein, entre les quartiers riches, quartiers pauvres. Et vraiment, la crise est passée par là. Ils ont 2008 a affecté lourdement. Tout le monde est à la rue. Hein. Ils ont bien fait ça, Rockstar, parce qu'à chaque fois, des images, elles se contrastent comme ça. Hein. Allez, image suivante. Clac. Et là, c'est confirmé. Foreclosure, for sale, c'est-à-dire c'est liquidation, c'est fermeture. Ouais. Le mec, il a une voiture. Elle existait déjà cette voiture. Hein, oui, mais je ne sais plus le nom exact. Mais c'est Karine ou quoi? Là, je sais plus là. Bon, en tout cas, c'était des voitures qui existaient déjà. Ouais. On voit que c'était un quartier résidentiel assez classe, mais assez c'est tranquille. Sûrement une hauteur au nord-est, c'est comme à Venise, en fait, où ça va tomber. Parce qu'on voit, c'est une semi-hauteur, c'est pas vraiment Beverly. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un triage des poubelles. Genre, ça, c'est drôle, ça, quand même. Non, même à gauche, là, la vasque, tu sais, chez le voisin, là, est très jolie aussi. Hein, Regardez la richesse de l'image, des poubelles différentes. On appelle ce numéro tout de suite, 180. Un vélo, donc. Ah. Sûrement le retour du vélo. Là, s'il y a un vélo là, il y a forcément les activités au vélo. Et vous le dites, on ira racer. Sauter depuis le Mont Chilian. Et un tuyau d'orange. Et on est au 2405. Donc le tuyau d'orange, on pourra sûrement travailler pour les gens et arroser leur pelouse. Et dès que GTA 5 sortira, 5, on ira au 2405. On fera une hour 10. Donc, on voit qu'il y a du vent quand même parce que la brise vient de souffler les rideaux. sur il y a des rideaux là. Sûrement un meurtre à l'intérieur qui commence trop à avoir extrapolé. Mais en tout cas, très fourni cette image. On voit un devant de porte. On voit une petite pelouse comme ça. Alors, est-ce qu'il y a retour du mowing du tracteur tondeuse? On va pouvoir tondre, on sait pas. Ça tondait rien. Il y a de la pelouse comme ça. C'est un bully que ça tondait. Oui, là ça tondait des gens en fait. Super, ça les tue. Donc là c'est confirmé. Dernier indice qui nous. 2008. Je vous assure que on est après 2008, on est après la crise, donc c'est un jeu dans les années 2008-2010. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que l'histoire va se passer, qu'on notre personnage va vivre. On va nous faire un scénario où voilà, il dit au début, hein, je suis venu ici. Oui, on parlera du texte après. Parce que peut-être par mes enfants, au climat, par rapport mes enfants, se soit mieux, qu'il y ait un meilleur travail et tout. Enfin, on s'est pas trop concentré sur le texte. On est encore un immigré. Après, on n'est pas un Américain pur souche. Hein. Ça fait chier, ça. C'est évident. Donc ça, c'est sûr. Voilà, for sale, c'est la crise. Ouais. Les gens sont à la rue. Voilà. Hein, on les a vus tout à l'heure. Les maisons très variées à chaque fois. Allez, image suivante. Quartier pauvre. Voilà, intéressant pour courir. Et les tepus. Voilà. Elles sont là, elles sont plusieurs, donc là malheureusement il y a que deux portes, donc il y en a qu'une qui pourra monter. Eh oui, même la troisième à côté, elle s'est même pas intéressée. On voit un quartier très pauvre. Hein. Est-ce que ce magasin, le liquor store là, le magasin qui vend de l'alcool, parce que aux États-Unis, il y a des liquor stores, des magasins qui sont consacrés uniquement à la vente d'alcool. Mais il fait grosserie aussi, donc il fait épicerie en même temps. Tu vois, il est marqué en dessous de liquor à gauche. Ça s'appelle là. Liquor Ace. Ouais, c'est ça qui a les trucs de poker, genre de cartes, pas de poker forcément, discount beer, tout, nanana. Un quartier qui vraiment mais la crise délabré, c'est le délabrement total. On voit les routes sont un peu moisies. Ouais, une voiture que je reconnais pas non plus là. Trop arrondie à l'avant et à l'arrière pour que ça alors soit une Duke. C'est un mix entre une Duke et une Sabre. Ouais, exactement. Mais c'est pas tellement une Sabre, hein. Mais alors elle a été refaite. On voit que les voitures sont refaites un petit peu. Hein. C'est normal. C'est vraiment parce que chaque GTA, vous le savez, chaque GTA a ces skins de voiture. Exactement. C'est les mêmes, mais elles ont été revues. C'est les mêmes, mais indifférents. Et là, on voit sur la gauche de l'écran, pendant tout couper, on dirait presque un chemin en terre, non presque. Mais c'est un chemin en terre, ça qui est bizarre. C'est la fin de la ville. C'est peut-être la fin de la ville. Et c'est presque une station service derrière, hein, après. Hein. C'est une station service. Sûrement fermée. Ouais, donc on voit qu'il y a des cônes. Putain, ça va à la montagne. Oh, j'y vais. Moi j'y vais, Tour de France direct, on y va. Il y a du barbelé là, on voit. Ouais, donc sûrement une mission sur les toits. C'est assez intéressant de voir que c'est très fourni, très très riche au niveau de l'environnement, au niveau des quartiers.
de Los Santos, il y a de tout. Avec la crise, c'est le bordel total. Et une fois de plus, on voit hein, les images qui s'enchaînent. Un riche, même qui s'y vendait, un pauvre, un riche. Voilà. Allez, image suivante. Un pauvre, voilà. Voilà, need money for beer and hookers, je sais pas quoi. Les putes, voilà. Les putes, l'alcool. Bullshit. Bullshit. Et à la fin, c'est at least I am not bullshit. Ouais, moi, je suis pas une connerie. Il est sur le périph' toujours de Los Angeles, on le voit là. C'est l'axe nord-sud, on le reconnaît facilement parce que là le soleil se couche, donc le soleil se couche ni au sud ni au nord. Ouais. Et c'est, si on va à gauche, on allait directement là, à la saturation. Nous on parle, on est à l'est, derrière le soleil ouest, donc du coup voilà. C'est south, north, north. Voilà. Et un camion, donc je pense vraiment là que le camion va pour les conduire. Moi, cela on pouvait déjà, mais je veux dire les 33 tonnes peut-être. Moi je veux mes missions de routier, c'est important. Routier de Simulator 2012 n'est pas sorti. Oui. Je veux pouvoir le faire dans GTA. Malheureusement, il était annulé. Donc. Les clodos seront là. Et on les a vus. Donc des peut-être magnifiques skins avec leur pancarte. Ils vont nous faire chier ou pas. Ils annoncent la fin du monde. Hein. On va pouvoir les taper. En tout cas, ces vêtements, je les aime bien. Moi, je voulais acheter aussi. C'est un peu du Nico Bellic style. Hein, ouais, ouais. Mais c'est peut-être Nico Bellic, hein, fake. 5 ans plus tard, tout va bien, et pauvre et tout. Allez, hop. Ouais. La description du camion est quand même pas mal. Hein, oui, oui. Le réservoir et tout. Allez, image suivante. Ah, excellent. Là, c'est la crise, c'est sûr. Le mec, il a sorti son canapé, il a vendu sa maison. Il marche comme un schlag. Ah, il est bourré. Vous savez, dans la séquence, il est bourré. J'ai fait un screen comme ça. Okay. Il est bourré. On voit que les mecs ont squatté les dessous, mais les ponts des périphes. C'est excellemment reproduit parce que les dessous de ponts. Alors, à Los Angeles, ça a été vide. Hein. À Los Angeles, ça n'existe pas encore, je pense. Pas beaucoup en tout cas. Pas autant. À la New Orleans, oui, mais pas là. Mais dehors, quelques bidons. Mais bon, avec la crise, mon avis, on n'est pas à Los Angeles. Il y a les bouteilles d'alcool, ouais, le canapé de ma grand-mère, il a vomi dessus. Les tentes quechua sont là, les tags. On est dessous, comme tu l'as dit, là, le périph', l'autoroute, quoi. Et ouais, il n'y avait pas ça dans SA. Le jeu d'ombre, le jeu d'ombre et de lumière est pas mal aussi. Ouais. On voit là les par rapport aux arches et aux différents piliers du pont. Et si, ouais. Et si vous ne l'avez pas remarqué, en fait, dans le trailer, le soleil se lève puis se couche. En fait, c'est une journée en accéléré. Oui, c'est ça, c'est une journée accélérée. À Los Santos. Donc on voit il y a pas mal beaucoup de clodos, il y a beaucoup de personnes merde. Sans abri. On pourra les tuer ou les payer, je ne sais pas. On verra ce qu'on pourra faire parce que voilà, vous savez que GTA nonobstant une histoire à rallonge peu forcément intéressante. Il y a une multitude de rencontres comme ça où on rencontre des individus gens, et on fait des petites. J'espère qu'il y a l'ancêtre de 7 ici parmi eux là. Quelques petites missions. Donc, mais on voit que c'est très 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 fourni. Et moi j'ai envie de tout foutre le bordel là. Faudrait voir si ces tentes là sont matérialisées ou elles sont en dur. C'est très bien qu'elles soient matérialisées. C'est à dire que là t'imagines tu prends une voiture. Ouais. Tu leur sacres. On en voit une au fond d'ailleurs, une voiture rose mauve un peu là. Un peu espéranto, je sais pas. Ou une décapotable. Toujours une capote. Ouais. Ça peut être sympa de tout défoncer là. Ah oui, au lance-flamme. La vision super sadique. Alors est-ce qu'on est sur une génération de console où on n'arrive pas à tout faire péter comme ça? Ce serait intéressant parce que après elle est noire où on pouvait même pas péter les grillages. Ouais. Les grilles des. J'étais assez fait pour péter les clodos, donc y a pas de problème là-dessus. Donc, vraiment la crise, le contexte, les quartiers pauvres. Ils vont vraiment mettre l'accent sur les inégalités sociales et ça va être vraiment intéressant, je pense. Voilà. Je image pense suivante, le jet. Retour de l'Hydra. L'Hydra. Regardez, 6 missiles, on va aller. Il y en avait 2 avant, il y en a 6 maintenant, c'est un malade. Tout défoncé, la tour. C'est confirmé après l'absence d'avion de GTA 4. On pourra faire le 11 septembre. On pourra faire les attaques ou survoler à la Battlefield 3 et No Life et les Hydra. Ça va être la folie. Après l'espèce d'avion pour faire des stunts, hein, dans GTA 3. Le dodo là qu'on a vu avec les Mexicains là. Ah oui. Là l'Hydra. Exactement. C'est énorme. Franchement, ça c'est mortel. Propulsion, on voit combustion. Juste à côté de la tour, on voit une grue là. Oui, c'est qui est en train de construire la tour. Donc parce que là, c'est vraiment la tour la plus haute. Une fois que je le répète, en étoile, on la voit encore. Elle est encore en étoile, tu vois en haut là. L'image suivante. Et voilà, on voit toujours l'Hydra. C'était vite, hein, c'était chaud. On voit une espèce de lumière, de nuages, de lumière, de lumière qui se cache derrière le bâtiment. Très bien fait aussi, très bien rendu. Un moteur graphique comme GTA 4, assez mature. Pas du tout de filtre comme GTA SA. Là, pour ils ont l'instant, même, il n'y en a pas, pour l'instant, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir dans le trailer, il n'y a pas de filtre et ça a l'air assez mature. Ça a l'air assez joli, bon, avec le contexte de crise, on peut pas faire le kikoulol derrière un filtre jaune. Mais vous inquiétez pas, les graphismes évolueront. On voit un héliport là sur le toit de l'immeuble. Je sais pas si c'est un hélicoptère, je pense pas. Je pense que l'héliport est vide. Ouais, il est vide. Ouais. On vient de le voler. La tour est bizarre. Est-ce qu'on pourra. Elle est pas droite, c'est la tour de Pise. C'est des héritages qui la font. Est-ce qu'on pourra poser notre Hydra sur notre Canton Street et tout? Allez, c'est parti. Y a pas de photo de Canton pour l'instant. Image suivante. Mais on sait pas qui c'est qu'on a. Ils auraient pu remettre un Canton, tu vois. On connaît pas Los Santos. Ouais, mais c'est vrai que le trailer d'ouverture de GTA SA, on traînait avec le hood, le quartier, c'était chaud. Allez, image suivante. Boum. T'es viré. Les motos. Elles sont là, elles sont toujours là. Là, c'est une quoi? C'est une énergie 900? On sait pas trop, c'est un Roadster. Ouais, c'est le Roadster, ça a l'air d'être les. Bon, pas les BF400, mais un peu comme ça, ce style-là. En tout cas, le mec s'est fait virer. C'est pas un mec qu'on connaît. Military,
Ouais. De par le videur de la boîte de nuit, hein, effectivement. C'est le tequila la la, c'est la boîte la, de nuit la, 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 la. Hyper gay. Il y a plein de, d'affiches déchirées, ça c'est vraiment classe hein, ce qu'ils ont fait. Moi je pense que là on va pouvoir aller faire le dance experience. Tu laisses 10 secondes au mec qui se relève et il PlayStation et tout, ou et se bourrer la gueule. Allô. En tout cas, on voit toujours que les rues sont sales. Il y aura sûrement beaucoup de particules, beaucoup de boulot de petites merdes comme ça, parce que je pense pas qu'elles soient collées au sol quand même. Ouais, pas toutes. Mais en tout cas, peut-être le vent les portera, peut-être. Hein, il y avait déjà les bouches d'aération. Le mec, je pense, tu lui laisses 10 secondes, il prend un pompe et il revient à la séquence suivante. Hein. Donc, les arbres, genre voilà, une séquence de nuit. Avec des pavés un peu la route, hein, un peu pavés là, j'ai un peu mal fait, techniquement. Un petit peu un caniveau là. Ouais. En tout cas, les motos sont là, c'est bon. Elles sont toujours été là, donc confirmées. Clinquantes, très jolies. Allez, image suivante. Boum, le panorama de Los Santos. Le dirigeable est toujours là. Et oui. Le fake brut qui est marqué sur. On dirait que c'est un pétrole fake brut, tellement qu'il est marqué comme ça. Ouais, pétrole brut. Donc il y aura du pétrole en une échelle, on pourra aller grimper et récupérer le paquet caché. Les montagnes à droite, le downtown au milieu, le soleil se couche à gauche. Là, j'ai l'impression quand même que Los Santos là est 10 fois plus grand que Los Santos de je SA. Pense pour l'instant. A priori, il y a qu'une ville. Est-ce qu'il y a qu'une ville? Pour l'instant, il y a qu'une ville. C'est le premier trailer, il montre qu'une ville. Est-ce qu'il y aura un deuxième trailer avec une autre ville? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a qu'une ville. S'ils ont fait plusieurs villes, c'est des fous parce que vu la taille de Los Santos, là, Los Santos, ça a l'air d'être. A l'air d'être rappelez-vous de la taille de Los Santos dans GTA SA. C'est pas énorme. C'est... Là, quand même, là, c'est quand même juste avec ce panorama, on voit que c'est quand même beaucoup plus grand. On voit que le downtown est beaucoup plus à droite, il était beaucoup plus à gauche, et puis même on voit les montagnes à droite, donc ce sera en fait sûrement le cet endroit sera cet endroit de jeu en fait. Los Santos, et voilà. Quand on voit ici que c'est un panorama monstrueux avec le coucher de soleil, les rayons, et les phares, les différents phares, les lumières publiques, genre les ça a l'air quand même grandiose. Pète, la pelouse, genre l'herbe qui est modélisée hein, pour cette séquence là. On a vu qu'il y avait des terrains où il n'y avait pas d'herbe modélisée, comme en bas là. Ouais. Alors est-ce que c'est du clipping ou pas, on ne sait pas. Bon, en tout cas, là, l'herbe est modélisée. Et on voit qu'il y a une route à droite, donc ça mène effectivement vers la campagne. Un champ de terre, peut-être par rapport au truc des éoliennes où on avait vu avec la grande table. J'espère qu'il y aura quand même assez d'espace pour la campagne, parce que moi, la campagne, j'avais vraiment. C'est important quand même d'avoir plusieurs environnements. Mais là, déjà, on sent qu'on va respirer déjà. Mais connaissant Rockstar, s'ils se concentrent que sur Los Santos, ils auront quand même fait des quartiers pour la campagne. Puis de toute façon, ils feront pas un ils font pas un GTA 5 comme GTA 4, c'est fermé quoi. Ouais. Vice City c'était fermé, clac, et ça direct. La Skybox est assez sympathique quand même. Très jolie. Hein. De différentes. Si tu regardes, que le coin en haut à gauche, tu vois que c'est quand même une photo en fait. Hein. Ouais, c'est joli. Ça. Hein. Allez, image suivante. Boum. Toujours la même voiture de sport. Qui lui avait enlevé c'est la capote. C'est celle qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il a remis sa capote. On voit les pneus. On retrouve notre. Le souci du détail quand même. Les voitures sont super bien faites. On voit que c'est un petit peu comme. Une PMP 600 mais en cabriolet cette fois, une Stinger peut-être, on ne sait pas le nom de la voiture. Là peut-être qu'il y aura du tuning. Là avec cette séquence là on voit un petit peu les ou alors elles sont déjà modifiées, comme à ça. Parce que là quand même vous voyez les pneus, quoi, c'est la suspension est super basse hein, Et puis on retrouve une fois plus notre mec, donc pour l'instant il y a deux personnages principaux qu'on a vu hein, le vieux là de 50 ans, l'entrepreneur, et le portoricain, voilà, c'est lui qui parle. Image suivante, course poursuite contre les flics, et regardez cette photo comme elle est genre. J'ai fait un screenshot sans faire exprès, elle est monstrueuse. Emergency dial 911, la police, donc là c'est on sûr on est à Los Angeles, parce que à Los Angeles les voitures comme sont noires et blanc, voilà, et les flics sont en noir. Oui. Et là c'est Los Angeles, c'est clair et net, on va le voir la voiture. C'est monstrueux, les voitures de Los Angeles sont les plus belles hein, au moins, noir et blanc. On retrouve celle de SA là, qui était arrondie comme ça par rapport à Las Vegas, Las Venturas, qui était carré. Voilà. Et on voit derrière rétro qui marche et tout. La grue toujours hein, le quartier. Donc on est revenu dans le quartier, course poursuite avec le mec. Percuté là on voit juste avant qu'il vient de percuter le mec. Donc on n'est pas dans Forza 4, non, c'est parce qu'il est percuté qu'il perd la moitié de sa peinture hein, de voiture. Non, on voit un peu de dégâts mais on voit pas trop, c'est la fumée là, on voit que ça crisse hein, au niveau des pneus. Des effets plutôt jolis pour l'instant. Une petite course poursuite. Il n'y a pas trop de voitures pour l'instant sur cette séquence là. Il n'y a pas trop de piétons non plus. Il n'y a pas trop de piétons. C'est un peu dommage, j'ai l'impression. Mais bon, on ne sait pas trop C'est qu'une fraction de seconde, effectivement. Voilà. On voit le quartier toujours. Hein, la tour hein, qu'on a vu en construction. Toujours en construction. Ça peut être intéressant de pouvoir tout grimper, tout chercher. Ça me rappelle les trucs de construction de Vice City hein, qu'on avait. De GTA 4 aussi qui était personne n'y allait quoi. Exactement, c'est vrai. Allez, image suivante. Boum. San Andreas, c'est clair et net. Octobre. 72 TZ J286, tu rentres dans le matricule. Exactement. Et tu vois qui c'est qui l'a conduit. C'est une Vipid, c'est marrant comme nom quand même. C'est clair. Et je vois à gauche, c'est écrit Polish, je sais pas quoi. Ouais, donc voilà, San Andreas. Cruiser. Donc c'est confirmé, nous sommes dans San Andreas. Donc ce sera sûrement le comté, en fait, le département, en fait, la région. Ouais. Et Los Santos sera la ville. Mais San Andreas, très important. C'est marrant parce que là, le logo, c'est Vipid. Mais l'intérieur aussi, le logo là qui est rouge, là, c'est Vipid aussi qui écrit l'intérieur. Oui.
Ils auraient pu mettre un nom pour la voiture, c'est bizarre. Ah non, c'est VIP de la marque et Police Cruiser le modèle en fait. Cruiser peut-être. Ouais, je sais pas. Et c'est Cruiser et en Police tout cas, Cruiser. La voiture, voilà, typique de voiture de San Andreas de flic, monstrueux. Ouais, c'est clair. Monstrueux. Et on voit qu'elle subit les suspensions et tout. Bon, c'est bien sûr un trailer, c'est normal. Allez. Image suivante. Oh là, débrouille 6C. À mon avis, comme on l'a dit au début, je pense. On incarne lui. Et là, gros clin d'œil, ouais. Il a la tenue de CJ quoi. Il a exactement la tenue. À peu près, bon, il avait un pantalon bleu. Un jean bleu, il avait. En tout cas, il avait les mêmes chaussures. Oui. Ça ressemble beaucoup. Oh, là, c'est prêt, je vous dis, ouais. Il avait les mêmes. Il avait le même débardeur blanc, et voilà. Là, il tire un peu la gueule, mais c'est un arrêt sur image. Ouais, c'est un arrêt sur image, donc on n'est pas maître du F10 de Fraps. On voit des éclaboussures dans ses pieds, ça va se confirmer. Après, en fait, il marche, ça éclabousse, donc ouais. Il flotte pas sur l'eau ou quoi que ce soit. La police trois derrière. Flics, on voit Cole Phelps au fond qui nous poursuit. On voit des voitures de flics, donc ils ont laissé en plan les voitures, ouais. Les portes ouvertes. La porte reste ouverte. L'hélicoptère qui nous poursuit. Ça me rappelle exactement la. Tu sais, au sud, là, à côté de l'University Station, là, tu sais, il y avait des rues comme ça, là, vides. Aussi que tu te courais après la police, là, il y a des barricades. Et là, ce qui est énorme, c'est que c'est un quartier très très pauvre. Ouais, bah, c'est résidentiel, le avec, voilà, vous savez, l'espèce de cage d'escalier, ouais. des terrasses complètement pourries, les climatiseurs en extérieur. Du bruit, on voit les poubelles, on voit un balai, on voit des cartons. Franchement, c'est très tous fou, les panoramas qu'on voit, tous les petits quartiers sont très très détaillés, très c'est riches. C'est très agréable à l'œil, vraiment. Et contrairement aux anciens GTA, même au 4, qui n'était pas forcément très riche, c'était que sur PC où il y avait plus de détails. Je me rappelle que sur PC c'était un peu plus détaillé et là on voit quand même que c'est bien détaillé quand même. Ça va, c'est maîtrisé. Donc oui là comme on l'a dit, on pense quand même qu'on incarne lui de par son accent et son style quoi. Mais bon, rien n'est sûr, hein, c'est une supposition, mais bon pour l'instant ça serait plutôt lui. Peut-être lui, on le voit là, voilà, ça éclabousse hein, quand je reviens en arrière en avant, il éclabousse. Magnifique, fais un film. Allez, allez voilà, on fait un film que donc là, on voit qu'il y a une meuf, un black et un mec. Trop bien, il y a toutes les minorités. Il y a toutes les minorities. Là, l'hélicoptère nous suit tout le temps. Il va couper le câble, il va mourir, c'est la fin du trailer. On voit sa chaussure là, la CDF. C'est un mec de chantier. Chute assurée. Et là, le logo, un E. Un E. Comme ennemi. Mais non, en fait, c'est une boucle. Mais oui, c'est-à-dire c'est le E. I. Oh, c'est quoi? C'est son nom. Non, c'est la boucle. Ennemi. C'est la boucle de la ceinture, hein, ne vous inquiétez pas. Sûrement, c'est. Oh putain, c'est le suspect. Fate. En tout cas, c'est le spoil. Course poursuite. Voilà. Ça c'est intéressant, on le voit là sur le plan en séquence. On voit à gauche les motels à gauche là. On voit les motels comme vous avez dit, voilà, les cartes GTSA. On voit des bâches hein, sur les toitures, on voit vraiment que c'est la crise. Là, on des voit bâches vraiment ou des tôles en fait. Je pense que c'est des bâches. Ah ouais. Des tôles bleues, j'ai pas vu moi. Je pense que c'est les plutôt des bâches. Les pauvres inventent plein de choses. Hein. On voit et à gauche ça devient très riche, enfin ça devient presque. Ça redevient un peu fréquentable. Ouais, tout à gauche, piscine, sans nom, dans le coin à gauche. Ouais. La route. Direct, ça redevient tondu et tout, tu vois. Là, elle on voit pas mal. C'est très sale là. Décaissée, abîmée, ondulée la route. On change du lait. En tout cas, on voit la déflagration. Genre, oui, parce qu'elle tourne, pour ça elle tourne. Par rapport à l'hélice. Pas mal, franchement, ces séquences-là de course-poursuite, elles peuvent être vraiment. Ouais. Avec la course à pied, genre la course. Non, on y tient, nous, à la course, hein, en vélo. C'est important. Mont Chiliad. Moi, s'il y a le Mont Chiliad, les gars, vidéo 2 heures de Mont Chiliad derrière la boîte. C'est clair et net, c'est clair. Allez, sur ces toits-là, foutre le bordel. Ah, moi, je veux tout de suite. C'est ça allez. Qu'on demande ça dans une. Image suivante. Vinehoof. Lol, alors le mec est là, c'est le Chamal. C'est pas l'Hydra, c'est le jet. C'est le jet privé. Donc, Vinehoof est. Il y aura sûrement tous les avions. Tous les avions, oui. On veut la T400 pour défoncer la tour. Non, mais. Il y aura des avions. Frostbite 3.0. Là, on voit. Il est tagué. Vinehoof a été refait. C'est moi, c'est CJ. La mission de fin, fight. Là, Vinehoof, donc ceux qui ne sauraient pas, hein, bien sûr, c'est comme c'est Hollywood. C'est Hollywood, hein. Nous sommes à Los Santos, toujours. GTA 4, il y avait sa planète Hollywood, c'était Vinehoof. Oui. Non, GTA 4, il y avait le restaurant Vinehoof, c'était planète Hollywood. Donc voilà. Et on voit qu'ils ont refait aussi la colline, parce que là, c'était une vulgaire pente verte. Dans GTA, c'était plat, il y avait un paquet caché dans le haut, je crois. Il y avait un club de golf, une arme derrière aussi. Là, on voit que c'est. Là, vraiment. Les zones, c'est très très les zones joli. De montagne, les zones de dénivelé, très escarpées, elles sont pas du tout linéaires, ça va rien dire, mais là, veut dire monotone. Là, ça va être la merde pour monter. Ah, mais c'est sûr, à pied ou en chamal, je ne sais pas. Toi, c'est le chamal, ça me fait plaisir parce que le chamal il rentre du poney. Ah, il était trop bien, il est décollé direct et tout. Bon, pas mieux que l'Hydra forcément. Mais bon. Coucher de soleil, on est toujours là. La fin du trailer bientôt. Voilà, dernière image. Et l'image subliminale toujours hein, du dirigeable nazi qui va brûler, regardez, il va se cracher dans la tour. Hein. Sûrement ça. On voit les deux tours à gauche qui sont en train d'être construites. Les deux tours qui étaient encore là à l'époque. On voit des grues partout, c'est bizarre, j'ai l'impression. La montagne tout le temps. À chaque image, on voyait la montagne vraiment. Ouais, la thématique. Crise immobilière. Crise immobilière, mon ami. Inégalité, chômage, le montagne. Chamal, il est vraiment trop beau. Trop beau, ouais, c'est clair. On voit qu'il y a beaucoup d'arbres. On retrouve les avions, c'est on voit les quartiers là de Los Angeles. Ganton est à gauche normalement. Ouais. Là c'est pas mal quand même.
Même si peut-être qu'on traverse de d'est en ouest, parce que le soleil se couche à l'ouest, donc on va à l'ouest, tu vois. Donc Danton serait plus en bas à gauche derrière nous, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, à droite, c'est Montchiliad tout droit à droite, et à gauche, c'est la plage, tu vois. C'est comme ça par rapport on à voit, la... On voit quand même qu'il y a de la circulation, parce que vu la lumière qu'il y a là en bas, là sur la périph, les rocades... On voit que c'est très grand aussi. On voit que c'est très grand. Là, avec cette image-là, tout à l'heure, on supposait, mais là, on est sûr. Tout à gauche, prenez les phares de tout à gauche et vous mettez les phares de tout à droite, c'est immense là. C'est vraiment immense. Los Angeles, vous le savez, c'est la ville la plus étendue, la plus étalée, la plus large. Deuxième, parce que les Chinois sont devant avec leur ville de merde. Ouais, mais bon. C'est Los Angeles, quoi. C'est Los Angeles. Plus de 75 ou 13 km d'étendue. Un truc de fou, quoi. Un truc de malade. Donc le Luxembourg, en fait, et tout, quoi. Voilà. Donc, image de fin. C'est déjà la fin. J'étais Grand Theft Auto 5. Donc c'est marrant de jouer avec ce 5 et ce 5 finalement. Il se rappelait 5 alors. Mais 5, oui, ouais, bon, 5, 5. Oui, c'est vrai que 4 il n'y avait pas 4. Mais là par contre, on voit 5 et le bandeau comme on l'avait vu nous. Hein, ouais. C'est, ça rappelle exactement. Enfin, ça me rappelle Sandra, c'est sûr. Hein, on hésitait entre Vice City et le V. Mais quand on a vu quand même le bandeau comme ça de 5, c'est Sandra. Et là on peut troller toutes les rumeurs. Oh lol en France. Non, bah non. Oh lol. Bah, c'est vrai quand même. Que ceux qui pensaient que ça allait se passer en France, franchement les gars, vous faites de la peine quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, il y a eu London, mais c'est pas possible. J'étais à Paris. Non, mais London c'était le deuxième c'était de la deux, série. 2.5, c'était pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'Alice Tari sans aucune prétention. Nous, on est des gros fans. On est des gros morts de fanboys. C'est le plus grand jeu de tous les temps, c'est GTA 5. Sans vous le savez, réponse du CNS. Hein, notre meilleur jeu de tous les temps pour nous, c'est Grand Theft Auto San Andreas. Et le prochain sera le 5. Bien chaud. Sans seule seconde. Extraordinairement exceptionnel, c'est magnifique. Seul point d'interrogation, il n'y a aucune date de sortie, il n'y a aucune indication. Déjà, on a quelques suppositions sur le mec qu'on pourra incarner. Ouais. On n'en est pas sûr, on sait même pas qui c'est. On s'est même pas présenté. Quand on compare par exemple, au trailer avec Nico Bellic à Smuggle People, People. Oui, mais là, ils voulaient insister sur le fait qu'on incarnerait un mec charismatique, tu sais, qui a une histoire. Là, pour l'instant, ils ont juste dit voilà, il raconte sa vie et tout, le mec. Mais c'est intéressant, on va réécouter le texte juste après. Ouais, pour l'instant. Bon, le texte, c'est accessible pour les noms anglo. Fun, mais oui. En tout cas, au début, je suis venu ici peut-être pour le paysage, pour le climat, en fait, pour mes gosses, et le tout, travail. Après, j'ai pas écouté parce que je regardais les images. Donc, il y aura sûrement, je pense, cette thématique hein, de la crise de 2008, hein, des subprimes, de la crise immobilière, d'intégration. Un jeu Rockstar, jeu social, peinture sociale. Ce n'est pas un jeu à la con, Madame Morano. Non, comme l'avait fait Red Dead, comme l'a fait les Noirs, comme les avaient fait les autres GTA aussi à leur mesure. À leur hauteur, tout à fait. Grand Theft Auto 5 s'annonce grandiose, épique, magnifique. On a attendu le trailer, vous avez vu comme au début fous, de la vidéo, on avait filmé même le compte à rebours. Hein, c'est un truc depuis 10 jours, on filme depuis 10 jours la compilation. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, Analyse Starry. Hein, titre est bien lol, c'est parce qu'on a fait exprès. Oui, sans aucune prétention. Non, c'est des suppositions. C'est juste que nous, on voulait vous faire partager nos impressions à chaud. Et cette vidéo, on vous le rappelle, est l'occasion aussi de partager avec vous. C'est-à-dire qu'au lieu de nous demander notre avis, on vous le donne dans une vidéo de plusieurs dizaines de minutes, parce que j'en sais rien. Je sais pas combien ça fait. Plusieurs minutes, quart d'heure, sûrement, j'ai pas 20 minutes, ouais. qu'on s'enregistre. Dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. Essayez d'écrire en français construit. Nous critiquer. Ah oui. Il n'y aura pas de oh là, je te bannis. Bien sûr, vous pouvez dire ouais, vous êtes trompé là, c'est pas ça. Mais très bien, parce que nous, attention, on n'a jamais dit qu'on avait raison. Ouais. Quand j'ai dit que c'est la mission de fin, attention, j'ai peut-être trompé. C'est peut-être l'avant dernière mission. Hein, je sais pas. Mais nous, on voulait faire cette vidéo pour que vous puissiez réagir. Voilà. Et comme ça, on implique le maximum de personnes, d'abonnés, de communautés. Et réagissez dans cette commentaire. On s'en bat les couilles, on ne demande pas de la liker, de la mettre en favori, d'en parler aux autres. Vous la regardez, vous faites ce que vous voulez, vous commentez. On réagira avec vous. Vraiment partager vous le savez, à chaud. Hein. Vous le savez, on commente avec vous en instantané quasiment. Ouais. Facebook, le groupe Facebook et la hyper chaîne. Actif, ouais. On est des Nord-Coréens hyper actifs, c'est comme ça. Voilà. Allez, à bientôt alors. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. That I need.